Bien, bonjour tout le monde. On attend quelques minutes pour les autres participants et puis on va commencer bientôt. Il y a la fonction chat sur l'écran de contrôle. Si vous regardez, on peut échanger des messages et des questions de cette façon-là. Et puis pour l'instant, on a les microphones qui sont bloqués et puis on va attendre 2 autres petites minutes pour les autres participants pour qu'ils nous rejoignent. On va commencer dans une petite minute. On va laisser un peu de temps pour les autres participants de se joindre et puis on va commencer très bientôt. Les microphones sont bloqués en attendant et puis c'est comme ça. On part dans quelques minutes. Bon, eh bien, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus participer à cette formation qui est offerte par Choc FM. Vous voyez évidemment la belle affiche publicitaire là, qui va introduire le sujet. Mon nom, c'est Benoît Mercier. Je vais faire une petite présentation dans quelques minutes pour mes qualifications et puis tout ça. Mais le but de la formation aujourd'hui, c'est de parler de vidéos et puis spécifiquement le genre de vidéos qu'on devrait publier sur les réseaux sociaux pour pouvoir améliorer notre stratégie de marketing et notre stratégie de marketing de contenu spécifiquement. On va procéder maintenant à la première.
Est-ce que... Vous devriez voir la deuxième. La deuxième. Bon, et voilà. Fait que l'atelier aujourd'hui, c'est un projet original de Choc FM en faisant partie de son rayonnement de la communauté francophonie de Toronto sur le web et c'est financé en partie par le gouvernement de l'Ontario. Une petite promotion pour Choc FM ici. Ça prend du temps à mettre les acétates à date, là. La page va changer. Attendez une petite seconde. On éprouve des problèmes, des défis techniques. Oups. Bon, et voilà. OK, donc Choc FM offre une gamme de services de publicité, de production, de formation et de rédaction d'événements multiplateformes à une clientèle diversifiée. Il y a un programme qui a été mis en place et puis j'aimerais faire une petite lecture pour faire la promotion de ce programme-là pour Choc FM. Enregistrer vos vidéos marketing est une aventure passionnante si elle est planifiée et réalisée correctement. Assurez-vous de mettre toutes les chances de votre côté en vous assurant de disposer du support technique et logistique nécessaire pour fournir un contenu de qualité à vos auditeurs. Choc FM peut vous aider. Fondée en 1991, notre organisation, la Coopérative radiophonique de Toronto, exploite deux médias de premier plan dans la région du Grand Toronto, à savoir la radio Choc FM 105,1 et le portail web grandtoronto.ca. Choc FM 105,1 et grandtoronto.ca combinent leur potentiel pour offrir une gamme de services de publicité, de production, de formation, de rédaction et d'événements multiplateformes à une clientèle diversifiée. À travers le programme Rayonnement de la communauté francophonie de Toronto sur le web, ce concept original avant-gardiste consiste à développer et offrir une vitrine audiovisuelle à une série de contenus numériques de qualité sur les services et activités des organismes et entreprises francophones du milieu culturel local pour renforcer leur présence sur le web. Il illustre, encore une fois, la triple vocation de modernité, de participation active et de proximité de la radio Choc FM 105,1. Cette initiative est financée en partie par le gouvernement de l'Ontario sous le volet communautaire du programme d'appui à la francophonie de l'Ontario. Elle est appuyée par plusieurs partenaires communautaires de Choc FM 105,1, dont le Centre francophone du Grand Toronto, l'Association des communautés francophones de Toronto, de l'Ontario Toronto, ACFO Toronto et CAMER SC. Il y a plusieurs avantages. Numéro un, optimisation vocale. Nous vous offrons l'accès à un espace insonorisé et optimisé acoustiquement pour l'enregistrement vocal. Numéro 2, matériel. Nous vous offrons l'accès à des microphones, des supports, des écouteurs, des haut-parleurs et des ordinateurs professionnels. Numéro 3, interface audio. Nous vous offrons l'accès à des consoles de radio professionnelles et à une interface audio. La carte de son de votre ordinateur n'est pas suffisante. Numéro 4, logiciel pour l'enregistrement et l'édition de votre voix. Nous vous offrons l'accès à un logiciel d'enregistrement multipiste et à l'édition de votre voix. Numéro 5, contenu audio libre de droit. Nous vous offrons l'accès à du contenu musical et non musical libre de droit. Numéro 6, autres supports. Nous pouvons également vous proposer une formation et un support technique à chaque étape du processus. Définition du concept, formation à la voix, assistance en voix, service de traduction et d'édition, enregistrement, édition, etc. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure? Participez à nos prochaines formations sur la production et la post-production audiovisuelle. Pour plus d'informations, allez sur grandtoronto.ca ou écrivez à administration@chocfm.ca. Bon, la publicité et la promotion des événements, c'est terminé pour l'instant. Une petite notice de non-responsabilité qui est de mise pour ce genre de truc-là. Et puis, on va passer à notre sujet d'aujourd'hui, savoir les types de vidéos qu'on devrait produire pour les réseaux sociaux. L'annonce mentionnait cinq types, mais en faisant des petites recherches, on a trouvé six. Fait qu'on a un petit bonus comme ça pour les réseaux sociaux, pour le genre de vidéos qu'on veut créer.
Donc, on va procéder maintenant à l'agenda et l'introduction. Okay, on n'est pas un super gros groupe aujourd'hui, mais on va essayer de garder les questions pour la fin. Et puis, si vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction chat qu'il y a dans le tableau de contrôle pour envoyer les questions. Sinon, on ouvrira les micros à ce moment-là et puis on pourra demander les questions et puis répondre. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on fait une petite introduction. On va parler d'objectifs et de défis en général. On va aborder le sujet de pourquoi faire des vidéos, pourquoi faire la vidéo pour aider à se faire trouver en ligne. On va parler des 6 types de vidéos qu'on peut créer. On va parler de certains mythes qui existent alentour de la création de vidéos et puis la promotion de vidéos. Et puis ensuite, on va s'acharner à créer une stratégie de marketing vidéo. On va expliquer à un haut niveau les différentes étapes. Et puis, on va parler aussi de stratégie de marketing de contenu. Donc, l'insertion, la production des vidéos s'inscrit à l'intérieur d'un plus grand cadre qui est la stratégie de marketing de contenu. Et puis, enfin, à la fin, on va aborder les questions que vous allez pouvoir avoir. Et puis, on change de page maintenant. Ça devrait apparaître sur l'écran d'ici une seconde. Bon, il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est très bien. Et puis, et voilà. Bon, donc, je me présente. Je suis Benoît Mercier. Je suis un consultant web avec une compagnie qui s'appelle Bloom Tools. C'est une compagnie qui est en existence depuis 2004, qui a été créée en Australie, qui est implantée au Canada depuis à peu près 6 ans. Et puis, moi, je travaille à l'intérieur de cette firme-là depuis à peu près 5 ans. Et puis, mon rôle comme consultant, c'est d'aider les petites et moyennes entreprises et les organisations à tirer profit de leur présence web. Donc, établir une présence web, soit à travers un site web ou à travers des réseaux sociaux, et puis de générer de l'intérêt, attirer du trafic, générer des leads pour que ça devienne un véhicule efficace pour l'organisation, pour l'entreprise. À part de ça, avant ça, j'étais affairé au marketing pendant à peu près une 20aine d'années dans le monde corporatif, dans la haute technologie. Je suis ingénieur de formation, donc la technologie, ça ne me fait pas peur. Depuis le mois de septembre, je suis chroniqueur bénévole à Choc FM. J'ai une chronique de marketing numérique qui s'appelle « Occupez-vous de vos affaires » et puis qui joue à midi Choc le lundi, mercredi et vendredi. Et puis, j'ai récemment commencé aussi un podcast en anglais sur mon site web qui s'appelle « Grow Your Business Online ». Donc, même type de contenu que sur Choc FM, sauf que c'est la version anglaise. Beaucoup des personnes avec qui je traite ont le français un peu limité, donc ils voulaient avoir une possibilité d'avoir des trucs en anglais. Oh, oups, OK, on recule, mais on devrait aller par en avant. On va maintenant parler d'introduction, on va parler d'objectifs et... Bon, OK. D'objectifs et de défis. L'objectif de la formation aujourd'hui, c'est de démystifier la création de vidéos, de savoir un petit peu comment on s'y prend. On veut aussi expliquer les genres de vidéos et puis l'impact potentiel que ce média-là peut avoir pour une entreprise ou un organisme à but non lucratif ou un organisme culturel. Et puis aussi, on veut donner un peu de direction pour savoir ce que vous pouvez faire pour votre organisation. Donc, c'est bon d'avoir des indices, d'avoir une idée de pourquoi la vidéo, mais on veut aussi vous donner de l'information sur comment s'y procéder un petit peu. Le genre de défi commun pour ce genre de fonction-là, à savoir comment créer des vidéos, c'est justement, quelles sont les étapes à prendre pour créer une vidéo? Est-ce que la technologie est compliquée? Au moins, il y a une perception que oui. Est-ce que ça prend une équipe de production professionnelle? Les coûts est-ce qu'ils sont très élevés? Est-ce qu'ils sont moins élevés? Et puis, une fois qu'on a les vidéos, c'est savoir comment disséminer l'information, comment diffuser les vidéos sur quel canot. Évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais il y a d'autres plateformes aussi qu'on peut utiliser.
Comme participant, vous avez peut-être d'autres défis additionnels et puis on pourra peut-être discuter de ça dans la période de questions si les réponses ne sont pas venues durant la présentation. Si vous voulez mentionner quelque chose, servez-vous de la boîte de chat pour envoyer les messages et puis comme ça, on pourra regarder à la fin. Et puis maintenant, on commence. Pourquoi la vidéo? Première étape, c'est que oui, on veut parler de vidéo, mais pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? La vidéo, c'est, comme on sait, une combinaison de visuel et audiovisuel. Donc, il y a des images, il y a du mouvement, il y a du son. Des fois, il y a du texte par-dessus, soit comme titre ou comme sous-titre. Mais la vidéo, ce qui est important, c'est qu'en général, c'est de conter une histoire. Faut qu'on veut faire passer un message pour sa compagnie, pour son organisation, son organisme culturel, mais c'est de faire passer le message. On veut communiquer avec notre public. Un aspect très important qu'on va revenir plusieurs fois pendant la session, c'est vraiment le côté émotionnel. C'est ça qui va être intéressant. Et puis, c'est ce que le côté vidéo nous donne beaucoup plus que le texte seulement ou les images seulement, parce que ça nous permet d'établir une connexion personnelle comme visionneur. Donc, avoir un rapport comme ça avec la personne ou l'organisme qui publie la vidéo. Les vidéos en général sont assez mémorables, donc les messages qui nous parviennent à travers une vidéo sont retenus, on s'en rappelle un peu plus souvent. Et puis, les vidéos sont plus faciles à partager ou sont plus propices à se faire partager sur des réseaux sociaux ou par courriel par les visionneurs. Donc, c'est toutes des raisons pour lesquelles on veut créer des vidéos. On va passer quelques minutes, on a quelques pages à parler de statistiques sur la vidéo. Pourquoi encore la vidéo et l'impact que ça a comme nous, comme êtres humains. Bon, on parlait de son, de texte, d'image il y a une minute ou deux. C'est des histoires qui connectent avec nous comme visionneurs, mais comme qui connecte avec votre audience cible. Donc, si vous avez une entreprise ou un organisme culturel, vous faites la vidéo pour une certaine audience cible et puis c'est d'essayer d'établir une connexion parce qu'on veut créer des impressions qui sont puissantes et on veut créer des relations à long terme avec les personnes qui visionnent nos vidéos. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'on effectue un rapprochement entre nous et puis le public, à notre audience. Fait que plus on est engagé, plus on partage et plus on diffuse de l'information. Ici, on voit le graphique qui dit que, premièrement, le cerveau apparemment traite des informations visuelles à peu près 60 000 fois plus rapidement que le texte seulement. 90 % de l'information est transmise de manière visuelle. 40 % des personnes répondent mieux à un stimulus visuel qu'à un stimulus écrit. Et puis, au point de vue attrait Internet, les vidéos qui sont publiées attirent 3 fois plus de liens et de partages que les publications qui sont seulement des textes ou des textes et des images. Donc, c'est un aspect important. On parlait d'émotion tout à l'heure. Stimuler une réaction émotionnelle, c'est le but d'un. Quand on fait une vidéo, que ça soit stimuler la joie, on veut peut-être faire rire quelqu'un, on veut peut-être avoir de la peine, à faire peur à quelqu'un, on peut générer de la colère, de la sympathie. Et puis, c'est ces émotions-là qui poussent les gens à agir et à partager. C'est là qu'une connexion personnelle s'établit entre la personne qui visionne la vidéo et puis l'organisme ou la compagnie qui produit le vidéo. Les informations sont nécessaires, évidemment, parce qu'on veut partager un message avec notre public, mais c'est les émotions qui font bouger. Quand on parle de bouger, c'est prendre action, c'est partager, et puis on va discuter de différentes manières où est-ce qu'on peut interagir comme ça. Le graphique ici montre que quand un contenu de vidéo est plus émotionnel, le nombre de partages ou la quantité de partages est augmentée d'environ 28 %.
comparé à un message qui est plus information. Et puis ici, c'est vraiment quelle est la probabilité qu'une vidéo va devenir virale. Puis on ne parle pas de virus corona, on ne parle pas de COVID-19 ici, mais on parle du partage viral en ligne où est-ce qu'il y a une explosion de partage. Tout le monde veut voir la vidéo parce que c'est intéressant ou ça nous touche. On a quelques statistiques ici sur les vidéos. Et puis, évidemment, quand on parle vidéo, on parle de YouTube. YouTube, c'est le plus gros site de vidéos à travers le monde. Donc, c'est important de faire un petit peu un aperçu sur YouTube. Si on regarde aujourd'hui, YouTube a plus de 2 milliards d'usagers. Considérant qu'il y a 7 milliards de personnes sur la planète à peu près, on voit qu'il y a presque 40% de la population de la planète qui est un usager de YouTube. YouTube, c'est le deuxième plus grand moteur de recherche après Google. Et puis, Google est propriétaire de YouTube. Donc, numéro un, numéro deux, ça garde ça en famille. Et non seulement ça, mais YouTube, c'est la troisième plateforme la plus importante en fait de réseau social. Donc, on ne pense pas nécessairement que YouTube, c'est un réseau social, mais si on regarde ce qui se passe, on a les vidéos, on regarde, on partage, on peut faire des commentaires, on peut discuter. Donc, YouTube, c'est vraiment une plateforme de réseaux sociaux qui est centrée sur l'aspect vidéo. Deuxième petit bout d'information, c'est que sur YouTube, à chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont téléchargées. Okay? Pour chaque minute, il y a 500 heures. Puis le téléchargement, c'est des usagers qui chargent ou des compagnies qui téléchargent sur YouTube. Ce n'est pas le visionnement, ça. Ça, c'est la quantité de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. Pour les compagnies, il y a environ 62% des entreprises qui publient des vidéos sur YouTube. Donc, pour promouvoir leur entreprise, pour promouvoir leurs produits et leurs services, peut-être leurs services communautaires aussi. Mais il y a un grand engagement, surtout dans les moyennes entreprises et puis les grandes entreprises. Les organismes à but non lucratif et puis organismes culturels aussi produisent à un certain niveau de vidéos qui sont publiées sur YouTube. Le prochain petit bout d'information, c'est qu'il y a 1 milliard d'heures de vidéos qui sont visionnées sur YouTube à chaque jour. Il y a 1 milliard d'heures. Donc, c'est 1 heure sur 7 pour chaque personne sur la planète. Donc, c'est absolument énorme. En fait, d'audience cible qui regarde les vidéos sur YouTube. Et puis, on sait que 90% des personnes de 18 à 44 ans ont accédé à YouTube et 85% de l'audience Internet américaine visionne des vidéos en ligne. Je n'ai pas les chiffres exacts pour le Canada, mais ça se situe probablement à peu près semblable aux environs de 80 à 85%. De cette audience-là, on sait que les 25 à 34 ans regardent le plus de vidéos en ligne et puis les hommes passent 40% plus de temps que les femmes à visionner des vidéos. On a quelques petites informations aussi, deux autres pages sur les statistiques et puis on continue après ça. Mais juste pour dire que la vidéo se fait de plus en plus de manière mobile. On a tous un téléphone mobile, un téléphone intelligent, on a des tablettes. Et puis, ça rend la consommation de la vidéo très, très, très facile. Comme par exemple, sur YouTube, 70% des vidéos sont consommées de manière mobile. Pour ce qui est de Facebook, c'est 65%. Et pour ce qui est de Twitter, c'est 90%. Je crois que Twitter est une plateforme qui se prête particulièrement bien au mobile parce que c'est tout le temps des infos de dernière minute, des nouvelles, bon, des trucs comme ça. Donc, quand on partage une vidéo sur Twitter, c'est très facile de le repartager. Okay? Et puis, en parlant de partage, peu importe la plateforme, 92% des visionneurs vidéo mobiles partage avec d'autres. Donc, un niveau de partage très élevé parce qu'encore une fois, c'est très facile de partager. Au point de vue engagement,
Les vidéos sur les réseaux sociaux génèrent 12 fois plus de partages que le texte et les images combinées. Donc, engagement, c'est quand le visionneur prend une action, comme partager, par exemple. Si on regarde une page de compagnie ou une page d'organisme quelconque, avoir une vidéo sur la page d'accueil peut augmenter les chances d'être sur la page 1 de Google de 53% comparé à une page titre qui n'a pas de vidéo. Et non seulement ça, mais le taux de conversion augmente de 80%. Donc, une conversion au point de vue Internet, au point de vue marketing numérique, c'est quand quelqu'un prend action. Fait que quand on clique sur le Contactez-nous, quand on clique sur un bouton qui nous demande de soit faire une contribution ou si on veut se faire contacter pour avoir plus d'ample d'informations, ça, c'est une conversion. Donc, si votre conversion typique sur votre site web est environ de 2 à 4 %, mettons 4 %. Donc, ça pourrait augmenter ça de 80 %. Ça veut dire qu'au lieu de 4 %, on parle maintenant de 6 à 7 % de taux de conversion. Donc, c'est assez important. Et puis, en fait d'engagement et puis de visionnement, on voit ici un graphique qui montre que plus la vidéo est courte, plus le pourcentage de probabilité que les gens la regardent augmente. Fait que si on voit tout à fait en bas, où est-ce qu'on regarde une vidéo de 10 secondes, 89% de ces vidéos-là sont regardées, visionnées de façon typique. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte dans les colonnes, on augmente le temps de la vidéo. Et puis, évidemment, les proportions diminuent. Donc, plus la vidéo est longue, moins le monde passe de temps à regarder. Donc, pour créer une vidéo, le sweet spot, comme on dit en anglais, c'est en delà de 2 minutes. Donc, c'est de 0 à 2 minutes qui va générer le plus de visionnement, le plus d'engagement avec les visionneurs. Et puis, finalement, je crois qu'on est rendu à la dernière page de faits, de statistiques et de faits. Un fait intéressant, les visiteurs vont se rappeler à 95% d'un message vidéo comparé à 10% pour un message de texte seulement. Donc, on parlait de la façon que le cerveau fonctionne. Comme être humain, on a évolué à être visuel, à voir le danger, à voir les bonnes choses. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on retient les messages plus quand c'est visuel. Deuxième fait ici, c'est que le visiteur moyen passe environ 88% de plus de temps sur un site web qui a des vidéos par rapport à un site web qui n'a pas de vidéos. C'est un petit peu normal parce que si on va passer 2 minutes à regarder une vidéo, bien évidemment, on passe en effet plus de temps. Et puis s'il y a plusieurs vidéos, bien notre temps sur le site web est encore plus long. Pour ceux qui travaillent avec un organisme à but non lucratif ou culturel, apparemment, 57% de ceux qui regardent une vidéo sur un site d'un organisme caritatif font un don. Donc, c'est important, si vous voulez générer des dons pour votre organisme, pour votre organisation, de considérer les vidéos. Et maintenant, on va passer au sujet. Tel que promis, les 6 types de vidéos qu'on devrait publier sur les réseaux sociaux. On a ici un petit aperçu des 6 genres qu'on va aller en plus de détails dans une minute, là. Mais on regarde du vidéo explicatif, de témoignage, de motivation ou d'inspiration, une vidéo d'événement, des interviews et puis les vidéos qu'on appelle Meet the Team ou rencontrer l'équipe. Et puis, on va parler de ces trucs-là tout à fait. On va commencer par le premier type de vidéo. C'est une vidéo explicative. Donc, le but, c'est vraiment d'expliquer la mission de l'organisme. Peut-être parler du mandat, c'est peut-être une cause quelconque. Et puis, ce genre de vidéo-là, c'est pour faire prendre connaissance du public de votre organisme, de votre compagnie, de votre entreprise, de votre organisation. Ces vidéos-là, typiquement, vont entre
30 secondes et 3 minutes. Des fois, c'est un peu plus long si on a une histoire, mais plus c'est long, il faut se rappeler qu'il y a moins d'attention, donc il faut rendre ça un petit peu plus captivant. Vous donner un petit exemple ici de mission ou de trucs explicatifs, comme pour Choc FM. Si je regarde sur la mission de Choc FM, c'est une voix pour la communauté. Grâce à son équipe, son expertise, ses auditeurs et partenaires, ainsi que sa plateforme multimédia, la coopérative radiophonique de Toronto est un média de référence et un agent de transformation dans la communauté urbaine de Toronto. Donc, si Choc FM veut faire une vidéo explicative, ça va utiliser ce genre de messages-là qui vont transmettre, ils vont transformer ça en images, en son. Okay? La mission aussi, juste pour dire, nous donnons une voix à la francophonie de Toronto pour promouvoir ses richesses culturelles et soutenir son développement économique et social. Donc, ces thèmes-là seraient repris dans une vidéo et puis communiquent non seulement cette information-là, mais on va voir aussi dans les types de vidéos suivantes le genre d'émotions qui sont associées avec ce type de vidéo-là. Le deuxième type de vidéo, c'est le témoignage. Et puis là, quand on parle de témoignage, on cherche à faire un impact. On cherche à toucher notre public. On cherche à établir une relation émotionnelle avec notre public. Et puis, ça peut prendre des formes différentes. Fait qu'il y a un témoignage assez courant, bon, savoir quelqu'un qui dit « j'utilise ce produit-ci » ou « je suis membre de tel organisme » et puis « c'est le fun, c'est bon, c'est beau, ils font une bonne cause ». Mais c'est aussi de parler de l'impact de l'organisme ou de l'organisation sur la vie des gens. Puis ça, c'est un côté qui peut nous toucher plus parce qu'on peut s'identifier. On compte des histoires et puis c'est possible d'avoir des vidéos multiples. Donc, si on fait, par exemple, on recueille des témoignages de 4 ou 5 personnes, fait que oui, on peut créer une vidéo avec les 4 ou 5 témoignages si ce n'est pas très long, mais c'est aussi une bonne idée de garder 4 ou 5 vidéos indépendantes différentes. Donc, on peut avoir un témoignage d'une personne, une deuxième, une troisième, une quatrième, parce que ça nous donne plus de contenu maintenant à publier sur nos réseaux sociaux, sur nos sites web. Et puis, ça nous donne la chance aussi d'étaler la publication des vidéos sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc, on n'est pas nécessairement lié à avoir juste une vidéo, puis après ça, on se demande quoi faire. On peut avoir beaucoup de contenu d'une manière continue pendant plusieurs mois. Les témoignages, en général, c'est entre 1 et 3 minutes. Donc, si on a plus qu'une personne qui fait un témoignage ou si on a une histoire vécue très, très poignante, ça peut être un peu plus long. Mais en général, on va avoir des extraits qui sont de 1 à 3 minutes pour ce genre de vidéo-là. Le prochain type de vidéo, c'est la motivation-inspiration. Et puis, il faut noter aussi que quand on parle d'un certain type de vidéo, on voit qu'une vidéo a plusieurs aspects. Donc, quelque chose qui est motivant, inspirant, ça peut être un témoignage aussi. Okay? On peut avoir un aspect explicatif, donc expliquer un peu c'est quoi notre organisme et puis que ça motive ou ça inspire quelqu'un en même temps. Mais quand on parle de motivation ou d'inspiration, c'est qu'on cherche une réaction de la part de notre public. On veut une réaction pour qu'ils puissent prendre action, puis qu'ils puissent s'engager, et puis que ça soit non simplement un partage, que ça soit de visionner, que ça soit aussi de partager l'information, non seulement partager la vidéo, mais partager l'information sur la compagnie ou l'organisme avec d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent s'impliquer. Encore une fois, il y a un côté émotif assez important parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait agir, right? C'est la motivation, l'inspiration, c'est la connexion émotionnelle. Ce type de vidéo-là est aussi de 1 à 3 minutes. C'est un petit peu difficile de conter une histoire et puis d'inspirer quelqu'un en dedans de 10 ou 15 secondes, à moins qu'on soit super bon dans les scripts et puis la production. Mais en général, pour conter une histoire, pour amener notre sujet amener les visionneurs dans notre histoire, bien, ça prend un peu plus de temps. Donc, ces vidéos-là,
ont tendance à être un peu plus longues que des vidéos explicatives. Le quatrième type, maintenant, on parle d'événements. Des événements, c'est un truc fantastique pour créer du contenu, pour avoir beaucoup de vidéos à produire. Parce qu'on regarde avec une organisation, un organisme quelconque, il y a tout le temps des rencontres. Fait que soit des rencontres entre les différents membres, il y a des rencontres dans l'industrie aussi. Des fois, on fait des galas, des soirées, style, bon, soirée casino, ce genre de trucs-là. Il peut y avoir des événements pour une levée de fonds, par exemple, pour un organisme à but non lucratif. Ça peut être une conférence publique sur un sujet quelconque dont votre compagnie ou votre organisme participe. Il peut y avoir un lancement pour un nouveau programme ou un nouveau produit, un nouveau service. Peut-être que vous avez un nouveau bureau que vous voulez présenter, peut-être que vous avez déménagé puis vous voulez partager l'information, ou peut-être que vous avez établi une nouvelle équipe. Fait que ce genre de vidéo-là peut être de 30 secondes à 5 minutes, ça peut être assez large. On voit ici un conférencier qui parle. Donc, si vous parlez à une conférence, très souvent, les conférenciers vont parler 10, 15, 20 minutes. Certains vont parler 30 à 45 minutes. Donc, c'est correct d'avoir des vidéos plus longues dans ces cas-là, mais il faut bien s'assurer de se rappeler que plus la vidéo est longue, moins le visionnement va se faire, ou va se faire sur une partie de temps seulement et pas nécessairement sur la vidéo au complet. Donc, quand vous avez un événement, filmez, prenez l'occasion de filmer. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire là. On peut avoir des témoignages, on peut faire des entrevues, on peut montrer un petit peu quelle est la vision de l'organisme, la vision de la compagnie. Donc, c'est une occasion en or de générer du contenu, de créer du contenu pour ensuite partager ça sous forme de vidéo. Le cinquième genre, c'est des entrevues. Puis c'est un petit peu semblable au témoignage, mais c'est un petit peu différent aussi. Le but d'une vidéo d'entrevue, c'est d'établir la confiance avec le public et puis de démontrer son autorité dans la matière, donc dans son domaine, dans son industrie, dans le genre d'activité que vous faites. Donc, il y a un côté qui est éducatif. Et puis, en général, pour les interviews, ce qui marche bien, c'est de se servir d'experts en la matière. Donc, soit des experts externes, du monde qui sont reconnus dans l'industrie, dans un domaine particulier, comme étant connaissants, comme étant vraiment bons, très forts dans la matière, ou bien d'utiliser un expert interne aussi. Il y a certaines personnes à l'intérieur d'une compagnie ou d'un organisme qui sont des ressources, qui connaissent beaucoup de choses et puis ils peuvent partager l'information. Donc, en ayant une entrevue, fait que ça peut être question, style question-réponse entre les deux, ou ça peut être seulement le visionnement de la personne qui est interviewée. Mais ce qui arrive, c'est qu'en interviewant un expert, cet expert-là a de l'autorité et puis on partage, on s'associe avec cette autorité-là, et puis on reçoit une partie de l'autorité qui nous est déléguée. Okay? Donc, une interview avec un membre de l'équipe aussi, c'est un bon aspect à faire. Ces vidéos-là, typiquement, prennent de 3 à 5 minutes. Ça a tendance à être un peu plus long, un petit peu comme les conférenciers, parce que surtout dans le format questions-réponses, on veut approcher plusieurs sujets, on veut entrer peut-être en plus de détails dans un sujet ou dans un autre. Donc, c'est le genre de vidéo qui se porte bien aussi à un format un peu plus long et qui peut être un peu plus spécialisé aussi. Et le sixième type de vidéo, c'est rencontrer l'équipe. Ça se fait assez régulièrement dans différents milieux, soit au milieu corporatif ou dans le but d'un organisme à but non lucratif. Et puis, le but de ce genre de vidéo-là, c'est d'humaniser l'organisme ou l'organisation, c'est de la personnaliser. Donc, quand on pense à une compagnie quelconque ou même un organisme de charité,
On a tendance à voir ça comme une grosse entité, et puis c'est bon, c'est impressionnant, comme bon, supposons Choc FM, par exemple, ah, c'est la grosse radio, station radio à Toronto. Mais avoir une vidéo de rencontrer l'équipe, ça nous permet de rencontrer les gens qui travaillent. Ça met un visage humain sur la compagnie, sur l'organisation. Et puis comme ça, les personnes qui visionnent peuvent s'identifier un peu plus parce qu'on voit que c'est des personnes bien normales, bien ordinaires qui travaillent là. Et puis on peut se développer un lien d'affection avec ces personnes-là. Donc ça nous donne une chance d'établir une connexion personnelle, disons unidirectionnelle. Et puis comme ça, on pense à cet organisme-là de manière plus favorable, on se sent un peu plus rapproché et puis ça nous donne une chance peut-être de s'impliquer, de s'engager, d'agir ou de partager. Ce genre de vidéo-là est bon pour à peu près 2-3 minutes à la fois. Ça peut être un peu plus long, mais encore une fois, plus les vidéos sont longues, plus ça doit être captivant. Et puis c'est absolument parfait ici. C'est un autre exemple où est-ce qu'on peut faire plusieurs petites vidéos. Si vous avez 6 personnes dans votre bureau, vous pouvez faire 6 vidéos, vous pouvez faire 2 vidéos avec 3 personnes, vous pouvez faire 3 vidéos avec 2 personnes. Il y a beaucoup de flexibilité là et puis ça vous donne l'occasion de créer du contenu de manière régulière et de manière continue. Maintenant, on va procéder aux mythes parce qu'il y a certains mythes qui entourent la création, la formation de vidéos. Et puis, on va essayer d'aborder ça un petit peu maintenant. Le premier mythe, c'est que la production vidéo, c'est trop cher. Oui, c'est sûr que si on utilise des professionnels pour créer des vidéos en format 4K de 30 minutes ou 60 minutes chaque vidéo, ça va coûter très, très cher. Mais on n'a pas tout le temps besoin nécessairement d'avoir une équipe professionnelle ou d'avoir le dernier format, le dernier cri super haut de gamme pour la technologie. Si vous regardez aux compagnies qui créent des vidéos, vous allez vous rendre compte que les prix ont diminué au cours des années. Donc, c'est peut-être quelque chose que si vous avez regardé il y a 4-5 ans, qu'il faudrait maintenant reconsidérer. Un autre aspect aussi, c'est de regarder à peut-être faire de l'animation. Au lieu de filmer, de tourner quelqu'un en direct, c'est de regarder un petit peu, de faire de l'animation. L'autre aspect, pardon, qu'on doit considérer, c'est on peut faire des vidéos soi-même. Avec les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, aujourd'hui, on a tous la possibilité de tourner des vidéos assez simples ou bien avec une caméra assez simple à la maison. Donc, la question, c'est quel est le retour sur l'investissement? Fait que si on parle de production professionnelle, si vous dépensez, supposons, 10 ou 15 000 $ à créer une vidéo, mais que cette vidéo-là vous rapporte 60 000 $ en vente ou en dons, le retour sur cet investissement-là est très bien. Je sais que pour les organismes à but non lucratif, les budgets sont tout le temps un problème ou un défi, disons. Donc, on regarde peut-être à des méthodes qui sont un peu moins coûteuses, mais quand même, le retour sur l'investissement pour un organisme à but non lucratif est semblable aussi à une compagnie. C'est quelque chose qu'il faut considérer que si on dépense un peu d'argent, qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir en retour? Le deuxième mythe, c'est que oui, bon, on va créer une vidéo, mais tu sais, personne ne veut regarder notre vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup de contenu et puis tout ça. Ce qu'on dit là-dessus, c'est que si on se rappelle il y a quelques minutes, on parlait que les vidéos les plus courtes donnent le meilleur visionnement. Donc, pouvez-vous créer une vidéo qui soit plus courte, qui soit plus attrayante, plus engageante? Et puis, on a vu que plus elle est courte aussi, plus il se fait de visionnement. Plus elle est courte, moins ça va coûter cher, plus ça va être facile à produire. Donc, gardez ça intéressant, c'est ce qui va faire que le monde va vouloir regarder et puis il va vouloir partager votre vidéo. Le troisième mythe, c'est que les vidéos sont trop longues à produire.
Et puis oui, c'est vrai qu'en utilisant une équipe professionnelle, il y a beaucoup d'étapes qu'on va aborder un peu plus tard ce soir. Mais le processus est quand même le même. Si on produit la vidéo nous-mêmes, ça prend moins de temps. Ou si on utilise un processus un petit peu moins compliqué comme l'animation, ça prend également moins de temps à produire. Fait que là, on ne parle pas évidemment de prendre quelques mois, là, mais on peut parler de quelques jours ou une ou deux semaines, dépendant du temps qu'on y met. Donc, ce n'est pas vraiment une barrière très grande maintenant comparativement à utiliser des équipes professionnelles dans le temps. D'autres trucs aussi qu'on peut faire, c'est que si on fait un format interview ou un format témoignage, où on utilise un outil comme Facebook Live, on peut produire des vidéos assez rapidement, très efficacement également. Le quatrième mythe et le dernier mythe qu'on va aborder maintenant, c'est que, ouais, bon, on fait la vidéo et on va s'en servir seulement une fois. Bon, ben de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec les sites web, avec les courriels, les emails, les blogs, on a plusieurs occasions de servir la même vidéo. Donc, on crée une vidéo, mais on l'utilise à plusieurs sauces. Ça fait partie de la stratégie de marketing de contenu. Donc, une vidéo est utilisée plusieurs fois. Et non seulement ça, mais une fois qu'on a une vidéo, c'est possible d'en tirer certains extraits et puis de partager ça sur les différents canaux dont on vient de parler, donc le site web, réseaux sociaux et tout et tout. Surtout, on peut utiliser ça comme teaser par courriel. On envoie un petit clip de 10 secondes et puis on dit, OK, si vous voulez voir le restant, venez sur notre site web, allez sur notre page Facebook ou Instagram pour aller voir. C'est à noter que sur les réseaux sociaux, une vidéo est partagée 1200% de plus comparée à une publication qui est texte et images seulement. Donc, la vidéo a beaucoup de bénéfices, beaucoup de millages que ça peut nous donner en partageant ça sur les réseaux sociaux, surtout si on fait des extraits courts, des teasers qu'on peut partager à plusieurs endroits à la fois. Maintenant, on va procéder à parler des différentes étapes de comment créer une stratégie de marketing de vidéo. La première étape, c'est évidemment l'objectif. Quand on commence tout projet, que ce soit une vidéo ou quelque chose d'autre, évidemment, il faut avoir les objectifs en tête. Donc, qu'est-ce qu'on veut accomplir? Est-ce qu'on veut éduquer? Est-ce qu'on veut informer? Est-ce qu'on veut faire réagir? Est-ce qu'on veut encourager les visionneurs à prendre action? Est-ce qu'on veut faire connaître notre entreprise, notre organisme ou peut-être un des programmes ou une activité qu'on a créée? On va aussi déterminer des buts de visionnement qu'on va parler un petit peu plus tard, dans à peu près une minute. Et puis aussi dans les objectifs, pour avoir une idée de l'équipement requis et puis avoir une idée du temps et du délai et évidemment des coûts qu'on veut planifier pour créer la vidéo. Une fois que nos objectifs sont ciblés, qui sont écrits, qui sont déterminés, la prochaine étape, c'est de déterminer quel est notre marché cible, quelle est notre audience, à qui on veut s'adresser pour la vidéo. Est-ce que c'est des consommateurs? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce qu'on veut parler aux hommes ou bien aux femmes ou les deux? Est-ce qu'il y a une composante d'âge? On veut s'adresser aux enfants, on veut s'adresser aux aînés, on veut s'adresser aux nouvelles familles dans la trentaine avec des enfants en bas de 4 ans. Donc, il faut avoir une idée du genre de personne, du genre de cible. Est-ce qu'on veut s'adresser aussi à un certain type d'occupation ou de métier, ou peut-être un type d'intérêt? Donc, si on veut s'adresser à quelqu'un qui aime, aux personnes qui aiment le hockey, ou quelqu'un qui aime faire la cuisine, ou tout ça fait partie du but qu'on doit cibler pour l'audience. C'est possible pour une vidéo d'avoir des audiences multiples, mais il faut faire attention pour pas confondre les messages. Donc, il ne
Si on essaie de créer une vidéo qui va répondre à toutes les attentes, qui vont essayer de cibler tout le monde en même temps, ça risque de moins marcher. Par contre, si on vise un marché cible, une audience cible particulière, on est en meilleure position de pouvoir atteindre ce marché-là. On peut combiner deux différents marchés cibles ou audiences cibles dans une vidéo aussi, mais il faut faire attention pour ne pas essayer de tout couvrir en même temps. Plus on est précis, plus on est concentré, focusé sur une audience, plus on a de chances de réussir et puis de toucher l'audience qu'on vise. Le troisième aspect, c'est de savoir quel type. Okay, on vient de parler des types de vidéos. On parle explicatif, témoignage, motivation, événement, entrevue, rencontrer l'équipe. Donc, ça fait partie d'une étape de planification, savoir quel type de vidéo vous voulez produire. Une fois qu'on connaît le type, évidemment, le thème du vidéo. Le thème, c'est le sujet, c'est la ligne directrice ou le vecteur directeur. Et puis, on va avoir une idée du thème parce que ça peut englober plusieurs thèmes ou sous-thèmes. Et puis, en général, ça fait partie de l'effort d'une entreprise ou l'effort d'un organisme qui s'engage dans une direction. Donc, on veut refléter ce thème-là dans la vidéo pour promouvoir notre entreprise ou notre organisme culturel. Cinquième étape, c'est le genre de vidéo. On a parlé de type. Le genre, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'on fait une vidéo traditionnelle, donc on parle d'enregistrement, de vidéos qu'on va partager ensuite sur notre site web, les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça? Ou bien est-ce qu'on parle d'une vidéo en direct, ce qu'on appelle live, comme Facebook Live, Periscope? Je crois que Instagram a une possibilité de faire un vidéo live. Donc, supposons qu'on est à une conférence, on est à un événement, on prend notre mobile, on fait une petite vidéo live, direct, comme ça, sur le champ, et puis ça fait quelque chose à générer comme contenu. Est-ce que la vidéo va être utilisée dans un courriel? Est-ce qu'on sert de courriel pour aller rejoindre notre audience cible, aller rejoindre nos partenaires, nos clients? Et puis, sachez qu'avoir le sujet vidéo dans le titre d'un courriel augmente le taux d'ouverture d'environ 20%. Fait quand on voit le mot vidéo dans le titre d'un email, en général, le monde ouvre ce email-là 20% de plus. Est-ce qu'on veut créer un vidéo temporaire aussi? Il y a certains sites qui permettent de créer un vidéo temporaire qui va durer quelques heures seulement, quelques minutes, quelques jours, comme Snapchat ou Instagram. Et le but, là, c'est de générer un sentiment d'urgence dans notre audience cible. Donc, c'est quelque chose qui a une durée limitée. Et on dit, OK, manquez pas, allez voir tout de suite pour générer de l'engagement avec notre audience cible. Dans la stratégie de vidéo, évidemment, les émotions sont présentes et doivent être planifiées dès le début. On a parlé un petit peu plus tôt de qu'est-ce qu'on cherche à faire comme émotion, quel genre de réaction on veut que les gens ont en visionnant. Est-ce que c'est la joie, le rire, avoir de la peine? Est-ce que c'est de les faire pleurer, d'avoir peur, de provoquer la colère, de les choquer, peut-être avoir de la sympathie pour le sujet du vidéo? Est-ce que c'est de faire réfléchir ou faire penser à quelque chose ou peut-être tout simplement de rassurer? Fait que toutes ces émotions-là peuvent être utilisées d'une manière ou d'une autre dans des vidéos, évidemment, de ce type différent. La dernière étape qu'on a en tant que planification de stratégie pour notre vidéo, c'est les paramètres. Donc, on a mentionné il y a quelques minutes, on doit déterminer des buts. C'est comment on sait si on a du succès avec la vidéo. Donc, il faut déterminer, est-ce que c'est le nombre de visionnements de vidéos qu'on veut savoir? Est-ce que c'est le temps passé à regarder les vidéos? Est-ce que c'est le fait que le monde va regarder la vidéo jusqu'à la fin ou ils vont couper quelque part dans le milieu?
Est-ce que c'est le nombre de partages, peut-être? Est-ce que c'est le nombre de leads ou le nombre d'intérêts qu'on génère pour notre entreprise? Si vous avez un organisme qui a besoin de dons, est-ce que c'est la quantité de dons qui va être collectée? Si vous avez un organisme qui utilise des bénévoles, se sert des bénévoles pour ses activités, est-ce que c'est une cible de recrutement? Est-ce que vous cherchez à recruter un certain nombre de personnes? Ou bien tout simplement sur les réseaux sociaux, combien de mentions j'aime, how many likes est-ce que vous allez obtenir? Donc, ces paramètres-là, c'est le genre de truc auquel il faut penser. Et puis, ça va déterminer aussi le niveau du succès. Fait que c'est comme ça qu'on mesure. Avec le marketing numérique, ce qui est bien, c'est qu'on a les données à travers de différents outils pour avoir le visionnement, le temps de temps passé. Et puis, on peut avoir une meilleure idée du succès qu'on a pour notre vidéo. Donc, mesurer, comparer, c'est ce qui est important. On peut aussi avoir du feedback. Donc, on se sert de l'information qu'on collecte de nos mesures et puis savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la prochaine fois, on apporte les changements nécessaires aux vidéos, au mode de distribution, au genre, à quoi que ce soit pour obtenir un succès encore plus grand. On peut tout le temps faire des enquêtes et des sondages auprès de notre organisme, auprès des personnes qui visionnent les vidéos pour savoir quelle a été leur impression, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et puis ça, encore une fois, ça nous aide à déterminer qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine vidéo. Maintenant, on va parler des étapes de comment créer une vidéo. On n'ira pas nécessairement en énormément de détails, mais on va au moins partager les étapes pour vous donner une idée du processus qui est utilisé par les professionnels et qui devrait vous guider aussi dans la production de votre vidéo. Donc, on a 10 étapes ici qu'on voit. On commence par les objectifs. On a parlé d'objectifs tout à l'heure, mais c'est la même approche pour savoir comment créer une vidéo, savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut réussir, comment on veut approcher le processus de création. La deuxième étape, c'est d'établir un script. Bon, le script, c'est un petit peu l'histoire qu'on va conter. Qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va être montré. Si on a besoin d'acteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un storyboard, c'est l'histoire qu'on va conter à travers les vidéos. La troisième étape, c'est de déterminer le genre de caméra. Donc, oui, si c'est des professionnels, eux s'occupent de ces éléments-là. Mais si c'est un travail un peu plus maison, est-ce que vous utilisez votre téléphone intelligent? Est-ce que vous utilisez une caméra manuelle que vous avez à la maison? Vous avez peut-être une caméra numérique de haut de gamme, peut-être un Nikon ou un Canon, et puis plusieurs de ces caméras-là vont pouvoir filmer des vidéos également. Quatrième étape, le studio. Fait quand on parle de studio, évidemment, en mode de production professionnelle, il y a un studio qui est créé, qui est utilisé. Mais si vous faites ça au bureau, si vous faites ça dans votre compagnie, dans votre organisme, l'endroit que vous choisissez pour faire la vidéo devient votre studio. Donc, si vous filmez dans une salle de conférence, ça devient votre studio. Si vous filmez dans la cafétéria devient votre studio. Et puis, évidemment, il faut faire des petits changements au décor pour que ça soit plus attrayant dans notre montage vidéo. L'étape numéro 5, les acteurs. Bon, on ne parle pas nécessairement d'engager des acteurs professionnels. Évidemment, si vous avez un gros budget et puis vous visez une campagne nationale avec vos vidéos, peut-être que vous allez avoir des acteurs professionnels. Mais ça peut être seulement des membres de votre équipe, des experts externes, des personnes qui vont être sur caméra pour parler de quoi que ce soit du message que vous voulez partager, de conter d'histoire. Donc, ces personnages-là, ces acteurs-là doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ils doivent avoir des lignes, ils doivent avoir la direction pour ce qu'ils vont dire sur la vidéo.
La sixième étape, après ça, une fois qu'on a tout fini ça, on est prêt à filmer. Fait qu'on fait le tournage, on fait plusieurs clips. Et puis, pendant une session, on va filmer soit de manière continue, mais on va avoir des reprises à faire. Fait que c'est possible qu'on ait à reprendre une même scène ou un même aspect 4-5 fois de suite. Et puis, ce que ça crée, c'est que ça nous crée un certain nombre de fichiers qu'il faut par la suite organiser. Donc, est-ce qu'on a pris, c'est la première reprise qu'on utilise, la quatrième, la cinquième, la sixième. On prend la sixième, mais on a besoin de faire un petit peu de montage ou d'édition dessus. Donc, s'organiser après avec tous les segments qu'on a filmés, c'est assez important pour s'assurer d'avoir les bons clips à utiliser. Étape numéro 8, c'est le montage. C'est là qu'on fait l'édition des vidéos. On fait la sélection des scènes, on choisit qu'est-ce qu'on veut, on fait l'agencement des scènes, on regarde la transition entre les scènes, il peut y avoir des titres, il peut y avoir une scène à l'extérieur, ensuite il y a une scène à l'intérieur, mais ça prend une transition entre les deux, c'est peut-être quelqu'un qui est interviewé, c'est peut-être deux personnes qui discutent, donc il y a des changements d'angle de caméra, fait qu'il y a un montage à faire pour agencer exactement de la même façon qu'un film est créé. Puis on n'a pas besoin d'être un expert là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de ressources en ligne pour avoir une idée de comment s'y procéder, mais un montage de base est quand même assez facile à réaliser avec plusieurs logiciels qui sont disponibles pour les ordinateurs. Étape numéro 9, c'est la musique. Bon, souvent les vidéos ont des musiques, soit des musiques de fond, des musiques d'introduction. C'est de choisir l'arrangement musical ou les arrangements musicaux pour la vidéo. Et ensuite, l'étape numéro 10, quand tout est fini, c'est d'ajouter la voix. Donc, dans plusieurs cas, il y a des voice-overs. Donc, ça, c'est la voix qu'on entend si on voit une scène quelconque qui se passe à l'extérieur ou dans un autre pays. On a un narrateur qui compte une histoire qui fait la voix. Donc, ça, c'est la dernière étape. Et puis, comme ça, une fois qu'on a fini toutes ces étapes-là, on a une vidéo qui est prête à être publiée sur notre site web, sur nos réseaux sociaux. OK. Et maintenant, on va procéder à la prochaine section. On a parlé de vidéo, on a parlé de création. Et puis, au point de vue de marketing et puis de marketing numérique, la vidéo, c'est un aspect de marketing, c'est un aspect de contenu. Et puis, ça s'inscrit à l'intérieur d'une stratégie de marketing de contenu. Et puis ça s'applique peu importe si on est une compagnie et puis qu'on vend des produits ou des services, ou si on est un organisme culturel ou peut-être une organisation à but non lucratif. Fait qu'on va regarder ici les différentes composantes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça va vous donner une idée des différents aspects qu'on doit considérer pour avoir une stratégie de marketing numérique de contenu saine et puis d'augmenter les chances que votre compagnie, que votre organisme soit mieux perçu, trouvé plus facilement et puis d'augmenter le taux d'engagement de votre public cible. Donc, le premier aspect, c'est le marketing par courriel, par email. On parle ici d'infolettres, on parle de nouvelles, on parle de mise à jour, on parle d'informations, peut-être qu'on a besoin de bénévoles, on fait une demande comme ça. Et puis oui, je sais que tout le monde reçoit énormément de courriels, énormément d'emails, et puis on se demande si c'est quand même un médium qui est assez efficace. Et puis, de nos jours, le taux d'ouverture des courriels est quand même très bon. Dépendant des industries, dépendant du type d'organisme, ça peut varier de 10 à 30 %. Donc, c'est-à-dire si on envoie 100 messages, admettons 30 personnes vont ouvrir. Et puis là-dessus, il va peut-être avoir 4 ou 5, peut-être 6 ou 8 qui vont décider de prendre action. Donc, c'est quand même un truc qui est assez efficace. Surtout pour les organismes à but non lucratif ou organismes culturels, quand on a besoin de bénévoles, quand on veut faire des demandes de fonds,
quand on a des événements et puis des trucs comme ça à promouvoir, où est-ce qu'on veut que le monde s'inscrive, qu'ils viennent partager, qu'ils viennent participer à notre événement, c'est une très bonne manière d'attirer l'attention du monde et puis d'augmenter le taux de participation. Pour ce qui est des courriels aussi, il y a des séquences de courriels qui se font. Puis des fois, on voit ça quand on reçoit des courriels. Donc, il y a une série de courriels qui sont envoyés. Peut-être une, ça va être bon, merci de vous être inscrit à notre événement. Après ça, 2 jours après, il va y avoir un rappel. 3 jours après, il va peut-être avoir une information partagée et puis un rappel pour l'événement. Donc, si vous avez, disons, un gala quelconque, vous pouvez dire bon, merci de vous être inscrit. Participer comme ça, il va y avoir un tombola, il va y avoir des prix à gagner. Fait qu'il y a une séquence de courriels pour garder l'auditeur engagé et puis augmenter leur taux de participation. C'est ce qu'on parle d'automation de touche. Fait qu'à chaque fois qu'on a un contact avec un membre de notre public cible, ça s'appelle une touche. Et puis, plus on a de touches, plus les personnes sont engagées, plus nos chances d'interagir avec sont meilleures. Au point de vue des ventes, on parle que ça prend 7 à 12 touches avec quelqu'un avant de les convertir en clients. Fait que c'est un peu le même truc pour les organismes caritatifs ou les organismes culturels aussi. Attendez un petit peu. Bon, OK. Deuxième composante, c'est les événements. On a parlé un petit peu un peu plus tôt, là. Donc, on parle de rencontres, de soirées casino. Peut-être qu'on va mettre une course ou un événement sportif ensemble. C'est tout. Les événements, c'est une façon absolument fantastique de s'engager avec notre public cible et puis qu'eux puissent partager l'information sur notre organisation. Évidemment, on a parlé de vidéos depuis 1 heure à peu près. Donc, les vidéos, c'est très important pour le contenu. Ça fait partie d'une des composantes. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus un canal, un médium de transfert, mais c'est aussi une composante importante parce qu'on peut publier des trucs sur les réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement sur le site web. Bon, oui, on peut partager un blog à travers les réseaux sociaux, mais aussi on peut partager de l'information dernière minute. On peut publier une vidéo ou un article spécifiquement sur des réseaux sociaux qu'on peut peut-être ne pas trouver ailleurs. La raison qu'on veut utiliser les réseaux sociaux, c'est que c'est un médium qui est quand même assez interactif. Où est-ce que le monde s'engage, il s'implique s'il trouve le sujet intéressant ou il trouve que ça a de la valeur pour eux. C'est un truc qui peut être éducatif, qu'on partage. Ça peut être utilisé pour le recrutement de bénévoles. Et puis, il y a l'effet viral, il y a l'effet de réseau. Fait que si on voit que certains de nos contacts, certaines des personnes qu'on connaît vont s'impliquer, vont s'engager, vont participer à un événement, bien là, ça va nous donner la puce à l'oreille. Et puis, ça va augmenter la possibilité ou la probabilité que nous, on partage également ou qu'on fasse une contribution à un organisme quelconque. Le site web, évidemment, c'est une composante centrale d'une stratégie de marketing numérique. Et puis, c'est comme un peu l'endroit, le dépôt, l'entrepôt pour l'information sur l'organisme, sur la compagnie. Donc là, on parle d'information, on parle de mission, on parle d'événements. On a les liens pour les réseaux sociaux parce qu'on veut une interaction de trafic entre les sites web et puis les réseaux sociaux. Il y a un certain niveau d'interaction, un petit peu moins que dans les réseaux sociaux, mais il y en a quand même un peu de disponible, surtout avec les commentaires sur les blogs et puis ce genre de trucs-là. Il y a de manière importante les appels à l'action, donc les contactez-nous, les partager, les demander plus d'informations, peut-être avoir une soumission gratuite ou quoi que ce soit. OK? Si on a un organisme qui fonctionne avec des bénévoles, évidemment, on va recruter les bénévoles ou on va faire des levées de fonds ou des demandes de fonds aussi à travers notre site web. Les conférences, on a parlé tout à l'heure, ça fait que ça peut être une conférence en personne.
Ça peut être une rencontre d'affaires, ça peut être une rencontre comme la chambre de commerce aussi également, mais ça peut être aussi un webinaire, donc une conférence sur le web, où est-ce qu'on partage une formation sur un atelier vidéo, par exemple, comme on fait à l'heure actuelle. Donc, c'est où est-ce qu'il y a une opportunité de parler en public, de se faire connaître. Il y a une opportunité de réseautage et puis un aspect de promotion pour notre compagnie, notre produit, notre service ou notre programme. La dernière composante qu'on va toucher ici brièvement, c'est les blogs. Fait que les blogs, c'est excellent pour ce qu'on appelle l'optimisation des moteurs de recherche. Donc, pour se faire découvrir sur Google, il faut garder le contenu de notre site web frais. Donc, il faut créer du nouveau contenu. Puis, un blog, c'est effectivement un article qu'on crée sur notre site web et puis ça cause Google, ça leur demande de regarder notre site web encore une fois, de réindexer et puis plus on met de contenu, plus on se dirige vers la page 1 de Google. Donc, le but d'un blog, évidemment, pour les auditeurs, pour notre public cible, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est de prendre action aussi. Parce qu'on peut mettre des appels à l'action à l'intérieur d'un blog pour les pousser à s'inscrire à un événement, à faire un don et puis ce genre d'activité-là. Private number. Et puis, je vois ici qu'on a un instant, on a certaines personnes qui se sont débloquées. Je vais juste bloquer le micro. Pardon. OK. Donc, si on regarde ici, on a un petit tableau qui montre pour un organisme caritatif ou à but non lucratif, le genre de stratégie ou de tactique qui vont fonctionner bien pour ce genre d'organisme-là en fait de contenu. Donc, on voit en haut, si tout le monde est capable de voir la petite barre jaune, les événements en personne, un taux de succès de 77 %. Donc, c'est très efficace pour ce genre d'organisme-là. Ensuite, on parle d'illustration de photos. Le e-newsletters, on parle de blog, on parle de marketing par courriel. Les vidéos à 65 %, le contenu de médias sociaux ensuite en vert à 64 %, les études de cas, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais les études de cas, c'est un autre aspect qu'on peut faire, qu'on peut convertir en vidéo, style interview, style témoignage aussi. Des articles ou des annonces dans les magazines, les webinaires, les webcasts, des infographiques. Donc, tout ça pour donner une indication que pour un organisme culturel, il y a plusieurs méthodes, plusieurs composantes d'une stratégie de marketing de contenu qui vont être assez efficaces. Et puis là, on tire à la fin. On est rendu finalement au sommaire. Fait qu'on va passer à vos questions dans quelques minutes, dans moins d'une minute. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment pourquoi faire une vidéo. On veut publier des vidéos sur nos réseaux sociaux. On a vu les 6 genres. On a vu des statistiques qui expliquent pourquoi les vidéos sont efficaces au point de vue des émotions, au point de vue de comment les gens réagissent. On a parlé des 6 types de vidéos, donc explicatif, témoignage, motivation, événement, entrevue et rencontrer l'équipe. On a discuté que l'information éduque, mais c'est les émotions qui font bouger. C'est les émotions qui vont faire prendre action, qui vont faire agir, qui vont pousser à agir et puis qui vont pousser à s'engager. On a parlé brièvement des mythes de production de vidéos. On a regardé les différentes étapes de comment créer une vidéo et puis on a parlé à un haut niveau de stratégie de contenu. C'était le but aujourd'hui. On va passer maintenant aux questions. Je vais regarder ici dans la boîte chat s'il y a eu des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, si vous voulez envoyer dans la petite boîte chat et puis on pourra passer à ça. Je vais aussi regarder à débloquer les micros, mais là, il ne faudrait pas que tout le monde parle en même temps. OK, je viens de débloquer les micros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent brave pour poser une première question? Parce que c'est tout le temps la plus difficile à poser, c'est la première. Hé,
Est-ce qu'on a un bénévole? Est-ce que vous voulez savoir plus sur les vidéos? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus sur ce que Choc FM fait pour aider le public à produire leurs propres vidéos ou leurs contenus? Allez, je vais me lancer. Bonjour, bonsoir. Ouais. Merci en tout cas pour cette présentation. J'ai une question qui concernerait... Il existe aujourd'hui sur Internet des plateformes qui proposent déjà des mini-vidéos que l'on peut facilement, quand on parlait tout à l'heure, associer en rajoutant des textes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez ce type de plateforme qui paraissent relativement, on va dire, faciles? Est-ce que vous pourriez nous en conseiller quelques-unes? Pour l'instant, non. Il faudrait que je fasse un peu de recherche. J'ai entendu parler de ce genre de site-là, d'appli-là. Un truc qu'il faut faire attention quand on utilise du contenu qu'on obtient sur l'Internet, c'est de s'assurer d'avoir les droits de publication pour le contenu. Donc, si c'est un site public qui est créé spécifiquement pour partager cette information-là, pour mettre cette information-là, ces vidéos-là disponibles pour vous, l'autorisation devrait être bien correcte, mais dans plusieurs cas, comme pour les extraits musicaux, certains extraits de vidéos aussi, il faut s'assurer d'avoir les droits. Comme sur YouTube, YouTube garde un œil assez serré sur les vidéos qui sont publiées. Et puis, tout matériel qui est jugé confidentiel, propriétaire, qui est limité, restreint par des droits d'auteur, sont enlevés assez rapidement. Donc, il faut penser à cet aspect-là avant de publier des vidéos qu'on peut trouver comme ça en ligne. Merci. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK, bon, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, vous voyez mon adresse courriel à l'écran maintenant, benoit.mercier@bloomtools.ca. Vous pouvez m'envoyer des questions sur ce sujet-là ou d'autres sujets reliés au marketing numérique. Vous pouvez toujours aussi aller à chocfm.ca. Il y a un onglet de contact. Vous pouvez aussi laisser vos questions là, puis ça va me parvenir d'une façon directe ou indirecte. Donc, dernière chance pour les questions, soit sur chat ou sur audio. Bon, mais avec ça, on va fermer la session. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui et puis soyez à l'affût pour les prochaines sessions de formation de Choc FM. Merci et bonsoir.